J'avoue, je me sens un peu seule sur cette île. Je suis partie de mon île de pirate parce que j'en avais un peu marre de tout ce vacarme, de tout ce bazar occasionné par mes copains, mais bah, il me manque là. Vraiment, il me tarde que Combre revienne avec des nouvelles, là, que au moins savoir ce qu'ils font, je sais pas. Peut-être un ou deux qui. Ah! Elle est là? Oh là là. Est-ce que c'est Ombre qui est en train d'arriver? Oh là là, la pauvre, elle est bien mal en point. Viens là, viens là, viens là, calme-toi. Voilà. Qu'est-ce que tu as? Ah, elle a un truc sur le dos, on l'a regardé. Elle a un livre, carrément. Elle a carrément des messages, mais plein de messages. Waouh, génial! Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il faut que j'aille voir. Regardez. Ah, deux copains. Deux copains, super! Yoho! Voilà, ouais, super les copains, ça va? Une sirène et un pirate. Moussaillon, je suis pas une moussaillon, je suis une capitaine, moi. On est tous là. Comment ça, on est tous là? Tous? Tous? Oh! Mais... Oh! Ils sont tous venus. Ils sont tous venus. Oh là là, mais je suis trop contente. Mais je suis tellement contente de vous voir, vous imaginez même pas. Tous là avec vos beaux bateaux, vous êtes tous arrivés, mais cette surprise, non mais sérieux, je m'y attendais vraiment pas. Je me disais, bon, il y en a un ou deux quoi qui va venir, mais là, tout le monde quoi, tout le monde, vous êtes trop chouette, vous m'êtes trop manqué. Je vais dire trop mignon parce que j'ai écrit mignon dans son message. Waouh, ah là là, voilà, je me disais aussi, c'était trop calme, on va pouvoir un petit peu. Faire les fous, vous voulez faire quoi là, mes copains pirates? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je propose qu'on attaque un petit peu cette île si tranquille, si calme là. C'est trop calme, c'est pas possible. Voilà, je sais bien que vous n'allez pas forcément rester là, mais au moins là, on va faire un peu la fête, un peu s'amuser, un peu tout casser quoi. Un peu parcourir l'île. Je vais vous présenter un petit peu, puis on ira voir Bonnie. J'irai bien attaquer un endroit aussi. Vous allez voir un endroit où vous n'avez jamais vu ça, même dans vos meilleures aventures de pirates. Vous n'avez jamais vu ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Voilà. Oh là là. Je suis mais tellement contente de vous voir. Hein. Vous allez venir voir aussi ma maison. C'est juste parfait. Allez, vos bobines, là, vous m'avez tellement manqué. Allez, vous êtes prêts là? On y va? Tout le monde sort son arme et puis on va commencer par aller attaquer le château dans le ciel. Allez, venez avec moi. Oh là, je fonce dans cette espèce de machin là. Venez avec moi, on va aller. Vous me suivez là ou pas? Ouais, je crois qu'ils me suivent. Allez, regardez, comme tout le monde n'a pas un animal magique qui vole, on va aller avec ce moyen de locomotion. Prenez place dans le ballon qui va vers le château dans le ciel. Départ dans moins d'une minute. Voilà. Allez, go. On prend place. On est beaucoup, oui, ouais, on est beaucoup de pirates. Ouais, vous êtes beaucoup parce que franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Quelqu'un, voilà, alors prenez les arbalètes, prenez les grappins, les hochets. Quelqu'un qui demande un hochet. Vol sponsorisé par moi-même, n'est-ce pas? Ah là là, ça tombe un petit peu là. Fallait s'accrocher, hein, c'est des pirates, normalement, vous êtes censé tenir quand même dans ce genre de véhicule un peu chaotique. Alors on est accueilli par quelqu'un, qu'est-ce qu'on nous dit? Bienvenue sur le château volant, bah, tu vas voir ton château, ce qu'on va en faire. Allez, pillez tout. Voilà, acheter des potions, mais pourquoi faire quand on peut les prendre? Allez-y, attrapez tout, prenez tout, prenez tous les trésors. Prenez possession des lieux. Voilà. Ça y est. Tout le monde a son butin. Ok, c'est parfait, Moussaillon. On va aller attaquer un autre endroit. Vous allez voir. Allez, on y va. À l'abordage. Prenons les cordages. Tout le monde s'accroche et puis on va aborder un autre endroit. Go, attention. Allez.
Oui, capitaine, capitaine. On verra plus tard, on verra plus tard. Allez, ego, on y va tous. C'est parti. Wouhou! À l'abordage! Allez, pirates! On va attaquer l'île. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer l'endroit le plus, peut-être le plus mignon de cette île? Voilà. Allez, mais c'est pareil, pillez tout, cassez tout, mais surtout jouez en fait. Regardez les pirates, vous connaissez pas des endroits comme ça, il n'y en a pas sur l'île. Est-ce que vous voulez installer aussi des trampolines? Regardez, il y a des balançoires, des toboggans. Regardez là, ça c'est chouette, ça vous connaissez pas. Pourtant, sur les bateaux, ça serait chouette d'installer des trucs comme ça. Regardez, essayez-les et puis après vous allez dire ce que vous en pensez. Non, c'est pas fait pour grimper dessus, c'est fait pour s'asseoir et se balancer quoi. Alors moi je vais vous montrer, je vais aller sur celle-là là. Mais si ça fera trop faire en fait. Go. Où est Ombre? Ah ben je me suis piqué la place. Bon mais c'est bon, ils apprennent vite. Ça va, on n'est pas allé à l'école, hein, nous les pirates, mais on apprend vite. Grosse max pour la dame. De qui parle-t-il? Pas du tout. Il y en a plusieurs là qui parlent d'une dame, je ne sais pas du tout. Alors lui, il nous raconte une histoire. Je n'ai pas eu le temps de lire, donc surtout, je ne sais pas lire. En tant que pirate, je ne sais pas. C'est un pirate lettré, hein, donc il sait écrire. Ah, voilà, un char à attaquer. Venez tous, on attaque le char. Allez, venir dire bonjour à Bonnie, parce qu'elle devient un peu toc-toc, d'être sur cette île toute seule. Regardez, la pauvre, elle dit bonjour à personne, et bien là au moins comme ça, grâce à vous, elle va enfin dire bonjour à des gens. Allez, sautez partout, courez partout, c'est quand même l'endroit de l'île qui est la plus adaptée à nous les pirates. Même s'il y a ce bateau un peu de marin d'eau douce, mais bon, bref, peu importe, entre le requin, les palmiers, le lugivre de bord, ouais, c'est vraiment l'île des pirates ici. Et puis, sans oublier quand même. Sans oublier quand même la magnifique arbalète. Venez avec moi. Certains, ceux qui ont envie, là, parce qu'ils sont tous en train de faire les fous. Venez avec moi, on va aller voir l'arbalète, là. Ouais, j'appelle ça une arbalète. Pour tirer sur d'autres bateaux, là, sur un bateau, ça serait pas génial, sérieux? Allez, prenez ces espèces de trucs sur les bâtons, mettez la flamme. Et puis, on va regarder un petit peu. Le nom de mes amis pirates. Alors je ne sais pas combien vous êtes à avoir répondu à l'appel, mais je fais une petite parenthèse de dames. Hein. Vraiment, merci les chouchous d'être venus, d'avoir répondu à l'appel sur Discord. C'était mais juste fabuleux entre le tournage. Je vais vous faire un petit making-of où je pense que je vais vous laisser tout ou presque tout du tournage. Si ça vous intéresse, ça durera longtemps. Ben, regarderont. Juste les personnes qui auront envie de regarder, mais c'était tellement magique de vous avoir avec moi là sur ce tournage, c'était trop chouette, merci. Allez, on reprend avec un petit massacre d'une maison qu'on a réussi à trouver. Allez, saccagez tout. Cette maison est bien trop rose là, bien trop avec des cœurs, des trucs comme ça. Non, c'est juste pas possible. Allez, on saccage tout, on saute partout. On court partout. Allez, go, regardez-moi ça. Non, mais n'importe quoi, cette décoration là. Ouf. Écœurant. Allez, les pirates. Go, go, go. Oh là là, là, c'est vraiment la pire pièce. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait si j'appuie? J'appuie. Jour, nuit. Jour, nuit, jour, nuit. Sapristi. Génial. La maison banane. Ok, je sais pas. Je ne sais pas ce que veut me dire ce personnage. Un peu bizarre. C'est un de mes copains pirates qui est un peu différent des autres, en fait. Allez, go. Oh, ça rebondit. Sympa. Alors, blablabla. Merci beaucoup. Merci à tous. Je fais un discours.
Ah là là, c'était trop chouette. Voilà, tout le monde est presque tout le monde est reparti. Il me reste plus que ces deux-là. Voilà, on se partage une petite limonade avant qu'ils repartent, hein, parce que les pirates, vous savez, c'est fait pour naviguer sur les océans. Moi, j'ai posé mon bateau et mon chapeau de pirate ici sur cette île. Mais sans doute que je vais repartir, hein, dans quelques temps. En tout cas, ça m'aura fait du bien de voir mes amis. Je suis trop contente qu'ils aient été si nombreux à répondre à mon appel et avec leurs animaux fantastiques. Et voilà, hein, on trinque, hein, allez, tchin-tchin, hein, buvons nos limonades. Et puis, je jette un petit coup d'œil quand même vers l'océan parce que je ne sais pas trop quelle va être ma prochaine destination. Je ne sais pas, sans doute je repartirai vers les Bermudes, hein, puisque je n'ai pas encore pour l'instant découvert le mystère de cette île. Donc, regardez les prochaines vidéos parce que sans doute que je vous dévoilerai encore d'autres choses. Mais ouais, vous allez où vous? Voilà, regardez un petit peu votre prochaine destination avant de repartir. Moi, en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont participé. Et puis, merci pour vos likes, vos commentaires. Et puis, abonnez-vous, hein, comme ça vous ratez aucune vidéo. Allez, salut les chouchous!